Sobozali kolanda ngai na ngonga oyo ezali ngonga to solo la ka to développer ma makambo. Je sais que vous allez prête parce que boyebi dès que bomoni moi affiche mo esalemi sege ba révélation to ma ramené ko salema. Pourquoi ezali kitoko mko ezali malamu parce que bino bozali wana bokolanda pe bolanda ka pe boko télécharger boko partager hein boko partager boko aimer pe boko analyser. Ah donc bande ko nyonso bakozali bako kota la vidéo oyo. Première des choses aimer, deuxième des choses partager, parce que révolution e bandaka d'abord na mitu ya bato et que na mitu ya bato e koti na ba na ba na 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 ba na population et longo et après nde ensemble ya bato bako se révolutionner en une fois après makambo e démarrer. Donc c'est déjà que musala wana boko sala yango ya ko aimer, ya ko partager pe ya ko analyser. Aimer, partager, analyser. Bien les caméras, Nolva Bakutagana et au microphone les naturopathes Tsumbukisi di Kimbangolog. Yende Bokozalae, Bozalaganae, Tangonyozo na émission Ma Tweet. Oulobalo Bate, hein? Nalobalo. Prière, hein? Prière. Lelo, tant prière, on est au salé, ma tsaba, c'est ce mot. Deux ans, la fois passée. Hein? Prière, m'fouma dans Samel. Allez, bien les sous. Vous allez répéter au même moment en fou. Mais là, on a français. Et là, on a français.
Parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit que là, interpréter les yang, mais c'est difficile, mon frère. Allez, c'est parti. Prière du prophète, prière de notre sauveur, prière du combat. Donc, on a tout juste après les prières. C'est parti. De la part du prophète, Papa Fumu Vuluzi Simo Kimbangu. C'était le samedi 10 septembre 1921 à Mbanza Sanda. Il a dit: préparez-vous à la prière. Alors prions. Prière à vous tous, les anges du trône céleste, source de notre existence. Prière à vous les sept anges qui siègent à la cour de Dieu Tout-Puissant. Prière là où s'élève le soleil et là où se couche le soleil. Prière à l'est et à l'ouest. Prière à vous, notre Dieu créateur, Mbumba Loa. Prière à vous, notre Dieu gouverneur de l'humanité, Pinanza. Prière à vous, tous les anges de la terre et de l'air. Prière à vous, tous les anges qui gouvernent les eaux et le feu. Prière à vous, le grand esprit Congo. Prière à vous, tous les anges de la guerre qui gouvernent le centre du Congo. Prière à vous, tous les anges de la victoire, Mbasiza Lunungu, qui luttent dans les quatre coins des cieux et de la terre. Au nom de l'œuvre que vous m'avez confié devant les cieux et la terre, je le répète trois fois. Faites à ce que votre sainte bénédiction puisse remplir les cœurs de ceux qui se lèveront pour aider le peuple du Congo. Je vous le répète encore trois fois et je m'adresse à ceux qui mépriseront mon œuvre par ignorance. J'implorerai notre Père, Créateur, afin qu'il leur pardonne et qu'il leur ouvre la voie de la compréhension. Mais gare à ceux qui vont se servir de couteaux, de flèches, de fusils, de poisons et de la sorcellerie, d'envoûtement ou de tout autre moyen de nuisance pour causer la mort et la désolation au peuple du Congo. Ces gens de truands, qu'ils soient des blancs ou des noirs, qu'ils soient des Bakongo perdus ou des Bangala, qu'ils soient des Baluba ou des Swahili, ces esprits des ténèbres, Peveza Mbuzimbu, je le jure, au nom de tous les envoyés qui ont été tués au Congo, en Afrique, en Asie, en Amérique et en Europe, que leurs esprits maudissent ces ignobles individus, qu'ils soient détruits et envoyés dans les prisons spirituelles des cieux. Je le demande et je le commande à vous tous les anges des cieux et de la terre de mener un combat pour le progrès humain et divin. PV Zantemo Wabantu. Je le répète encore trois fois, devant les cieux et la terre, gare à ceux qui continuent à chercher la désolation dans les quatre coins du monde. Venez, ô Dieu le Père Tout-Puissant, je vous appelle, ainsi que tous les anges de la guerre, Mbasiza Mvita, afin de conduire un combat contre ce monde des ténèbres, Nsi Yabubu. Gare à ceux qui continuent à renforcer l'esclavagisme et la colonisation de peuples noirs. Vous êtes un Dieu vivant. Je vous implore sans cesse. Ngietiku Fiongonena, au nom du sang versé par tous vos envoyés et de leurs humiliations, je vous le demande et je vous le recommande. Ô Dieu d'amour, Kalunga,
venez avec vos anges des cieux et de la terre pour détruire cette humanité des ténèbres. Mahansa Makibubu, qui continue à se moquer de votre amour majestueux, je demande à ce que la guerre éclate encore en Europe. Vitaya Boadiaka Kumputu, pour que la race noire se réveille et puisse revêtir une maturité qu'elle avait perdue depuis les temps les plus reculés. Que votre alliance soit sanctifiée et bénissez le peuple Congo et la race noire de toute l'humanité. Amen. Ingeta. Il est recommandé au peuple du Congo, le regard fixé à l'Orient, de lire cette prière matin, midi et soir. Pesangai ingeta ya bien. Mouveda Zouz. Très bien. Mkolalelo, tozali na masolo penza ya kafu kafu par rapport ya si je mouro tchagi na suspension. Tango to yeko la ki ba prédication. Oh, bah ça, voyez, que ça vient sur chef spirituel à Lukuta, bah prophète, bah pasteur, bah prédication, ils allaient que Sili qui s'attaque à Kimbang. Alors quoi, la carte de mission, on a tout épinglé qui, et l'homme boué, bon si c'est qui peut ne le courant, il fallait qu'on développe et on tout qu'il y a un peu bien. Les gens ont zongi sous le lopoto zoa, parti moko de tika qui kuna, il y a un tout qu'on développe. Parti ni noala, les offrandes, mbongo oh tout pèse à ba église, toutes sortes mbongo oh essaient à magana ba église. Est-ce que Nzamba yebi yango? Est-ce que Nzamba ça na besoin na yango? Bambo. Parce que ngai nazo ko torturer ba chef spirituel ba za ba escro. Ba ta lukuta. Ba ventirier. Je ba ki yango wa. Parce que le lot de l'into solo là. Ba mongo oyo espèce makana ba église na bino. O boza ko senga parce que na yebisa ki bino déjà makam nyonso. Mais l'autre, on doit développer sur cet aspect de l'argent. Les offrandes, la dîme à la pasteur, tout ça, la construction, la bande de Siloulou, la bande de Velela, toutes ces histoires-là. La construction, la bande de Bélé. Est-ce que à voir, qu'est-ce que ça a à voir avec la spiritualité négro-africaine? Qu'est-ce que a à voir avec la sacralité humaine? Il y a un lingui tout solo là. Pourquoi elle est là? Entre tout cela là, pourquoi elle est là? Pourquoi elle est là? Madame ma maman, ma comment on a biso, ma y bagin zambé. Ça go sambe la nzambé, ma ça go invoquer nzambé. Rien que pas quand nzambé a pas ma mère, ma zala qui peine à ma mi limo, oh yo bango, ma zala ko bel la tangouana. Parce que spiritualité est grandissante. Ça est grand, le cercle spirituel ça grandit. Nzambé, ma zala y est mort au fil du temps, comme il a ba ange, au fil du temps, comme il a ba esprit. Oyo bazali ke pona ko seconde pe ko sala musala. Alors les nos ancêtres bazala ki na nzambe. Babo mama mabiso pete bayebisa biso nzambe ona bazako sambela kombo na ye nzambe ampu. Mais après ko évolue évolution situation, il y avait aussi de grands esprits qui accompagnaient nos ancêtres. Nembinanza, Nembumbalowa, bazaki ebele. Bazaki ebele. Après situation évoluée, pe ba prophète nzambe bandi ko utiliser ba être ba partir ba être supérieur ba kite na mabele pour ko collaborer avec les esprits to moni pe bandi ko bele ba yaki pa vita ya mafuta ba tiesi de suite we mona ba tata ki mbango ba tantu alani to ko mona ba tata machua to ko mona ba tata masamba izai ba zai bele tata mpadi to tata wonda to moni bele ba partir nzambe kite pa ina bango ba développer que certaine spiritualité puis ba combien pe supérieur par rapport à ma imé moussou. Et faut qui est toko et qui est bien. Mais, to zongi moi mouke, ba kok on a biso tant baso sambe la nzambe, baso la ki na ba certain rituel, o e zala ki kola ki sabolingo na bango pe attachement na bango na nzambe. Ba rituel wane zako tambo la malam, il y avait pas un système, o e ba to koutite ke ba setre, ba kapi ba sangisi ba mbongo, que bambongo wana ezali dessiné na nzambe mpo yokiti te ba transpezalité. Alors to koti na bohum histoire wana no biango jamwa mingi mina jika bref to koti na bohum to koti yango na ba colonisateur ba yokoti sabiso nzambe ya sika mubikisi ya sika ngunza ya sika pe nzambe ya sika
entre autres, tout le monde qui Yahweh, Zambé Israël, à comment qui Dieu universel, entre autres, Jésus, à comment qui sauveur universel, tout le monde qui est Jacob, Vanini, Abraham, tout ça, Bate, Bayassa, Bayissak, Bayebele, Bele, Bayosua, Bamoïse, Bamonios, Bakomikosa, la faire partie de la spiritualité Nabisou. Évoluer dernièrement, donc l'Ikamara et même sur la Bohumbu, même sur la colonisation et même sur l'esclavagisme. Alors, évoluer dernièrement, n'a pas si esclavagisme, n'a pas si colonisation. Tata qui m'a eu à Ekobima en 1921, le 18 mars, pour une manifestation divine, c'est le magi 4, c'est le tout soyé, que à Ekobunda Bitumba, il y a beaucoup de colonisation, beaucoup de domination, puis il y a beaucoup d'esclavagisme, de l'indépendance. Mais, avant tout kende kuna toujours la katikati entre tata kimbangu na kolonisa na ancêtre na katikati wana période wana enseignement moko yaki wana mukanda moko yaki wana nzambe moko yaki wana obiksi moko yaki wana parti wana yangonde ezoko poser biso problème kino mukulalelo basenema wana ikotisi biso na problème. Nzambe wana, constitution a problème, mobixi wana, constitution a problème, et problème wana to kota banana période wana, kuna mukula lelo, to zali toujours ko vivre ba spectacle, ba cercle ya babiloko wana. Alors, bango mutu bayela kibiso, makambo yako fesa kambongo na masanga ya ba église. Vision nini bazala kinango? Pona makambo wana visioni bazalaki nango bachaki tax wana bandimba futaka tadi église coloniale e futaka mbongo na église ba pesa ka mbongo na église bango bazalaki na objectif nini tuon. Faites leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisse, procure. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants. Très bien. Attends, maman. Yoki. Objectif principal. Que. Bah, l'obité que. Bah, pensa qu'à mon ou ya offrande pour l'anzambi. Bah, on va l'obiné. Faites-les payer une taxe. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisse, procure. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants. Aux messes de dimanche, récupérez cet argent. Construisez des maisons, des alimentations, des supermarchés florissants. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisse, procure. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants. Boyoki. Tadi, bato bayela kibiso sango oya Biblia. Bato bayela kibiso sango ya Yesu. Bato bayela to sango ya Yahweh. Kosenga mbongo na église, c'est une taxe. Et ces taxes doivent être destinées à la bien ya colonisation. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisse, procure. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants. Roi Aoutiko Senga Yangoutiko expliquez Yango. Dans la vision bango bachaki en place que to pesa ka mbongo na église to pesa ka mabonza ce n'était pas pour na eto kende na paradis parce que mabonza wana nzamba sali ko considérer yango maintenant yo ka ndenge botiaka si to komi na place a mabonza bon misa mbongo na yo e pa ya Yahweh e pa ya nkolo Yesu na lola kuna pesa kota kate kuna nselela kota kate banki wana ezala kana rezoke atu momo liko zo mbongo wana nzamba ko zongisela yo tout ça. Mabdei mususu, non, sokoso pesa mbongo na mabele awa, okutonga ndaku kuna, mkolo yoko kufa, okutonga ndaku na yo sila deja, mesoke ozoko pesa te, kuna pe okutonga ndaku pe ya mabe, tout ça. Mais, to analizango ensemble na bino, basi yungi biso, oh non, mtu na mtu, apesa 50 000, to sangisi mbongo, rrrr, to pesi.
mbongo wana mécanisme nini nzambe akoki ko kanisela yo atongela yo nda kuna mbanza nsilulu pona pasteur azui 1 million na ye asomi mutuka na ye 1 million na ye asomi veste na ye 1 million na ye atangi sibana na ye 1 million azui mbongo na ye abali mosi na ye nzambe na trone na ye koki ko bouger ye na nini. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisse, procure. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants. Nous ne pouvons pas faire ça. Le rôle de votre tata évêque, yo mosakoli, yo pasteur, yo chef spirituel, yo grand gounza, aujourd'hui, mon wana ya bandini. Après, au saliba makamono musus okokosal. Nzambe na lola na puissance na ye, importance ni na ko accorder na mbongo. Nous devons être sages et intelligents. Bato bachaki taxe fait foutre makana église, ba lobby yango za taxe pona ba colonisateurs. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisse, procure. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants. Nous sommes analysés bien. Nous sommes colonisés. Nous sommes colonisateurs. Nous sommes colonisateurs. Et c'est clair, il y a même des chefs spirituels. Nous sommes esclaves à papa. Nous sommes esclaves à papa. Nous sommes ce qui église chez Spitala Koufi, automatiquement c'est ban. C'est rare, on va penser à pas mutu muzuzu. Et quand on a la chemise soit de famille, moi n'ai pas dit soit ni parce que ezali eloko ya famille na bango pour na kolia na komé na komé. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisse, procure. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants. Nous devons quitter cette étape-là. Nous devons quitter cette étape-là. Il faut tout quitter na eloko wana ya kosangisa mongo to ketcha na kesi ya lingomba. E bolie yango bozoko sabiso ke no kuna nzama ta considérer epeseli na yo. Epeseli na yo ozoko pesa mbongo ebele, nzamba ta considérer epeseli na yo, c'est ça qui va faire que à côté yo bien. Ou osoa pourcentage moko ya malamu, oye kosala osoa bénédiction, osoa ndako ya bien alone. Mais tant que tu biso to kopesa mbongo wana bino ba chef spirituel, to pesi mbongo wana. Après tant que tu osoa problème financier, to loni matungulu esim te toye pa na yo. Nzambe pambola bango ba kene ko, mais pesa biso bénédiction na biso to pesi la ki yombo. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisse, procure. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants. Non, vous allez comprendre, est-ce qu'on comprend? Grandeur, il y a Babylon, vous pouvez savoir, vous avez une église, vous avez la cotisation, vous avez fait ma tourne. Vous avez ici, vous avez des sièges. Ni kulia mbongo na bango kuna basombi saba futi ba pas banane tout ça ala fe ono boba kasa mbongo na budget ya kesha li eglise bu ewengi pour renforcer mais bazoko sa biso ke nenge bango ba mbik ba konza bango batoli mbongo wala nzamba sali ko kote ah o pesa ki 50000 nzamba kote atongi na bakisi ba mi ba brick c'est quel mensonge timbula nini tokolongwa na bêtise oyo jusqu'à quand on va sortir dans cette bêtise. Jusqu'à quand on va sortir dans cette bêtise? Il y a un bon pisot à condition par initié de comment on a dit colonisation. Il faut ébouni sa manaba forme nions. Faut colonisation et zapenda ya kovanda. Tina moi les pinières parce que il y a mon roi c'est à qui non te ya bango tina moi les pinières bar raisonner te yon a le roi bar raisonner te non va taille le roi taille le roi taille le roi courtisez-les s'il le faut. Et exiger ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisse, procure.
transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les noirs, suivez ce que nous lisons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme vénitions et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold II. Ya bango tina moi le pénètre empêcher bango ba raisonner bandi makaka même aveugle bandi melango ndenge wana ba raisonner te voilà donc ba chef spirituel boza penza batu ya lukuta bozali penza ba véritable escroc ça ne vaut pas la peine ce qui compte bosala ki ke to sangisi mbongo to sala accompagner na biso ya cimenterie. Tu vas nous cotiser, 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 cotiser. Tu commandes cimenterie. Pour bien en abuser l'ingo, on va nous faire la couna. Alors ça, c'est autre chose. On comprend? Ça c'est autre chose. On a notre exemple à miser. Miser en camba et cotiser autour. Nous allons valoir yango. Merci, félicitations, bana papa. Vous savez, nous sommes malam. 50 millions à peu près de dollars. Vous cotisez na miser. Compagnie à PPC A ou à Nagimpesi à cimenterie. 21 millions de dollars. Donc avec une misère en camba, on a 2 usines, il y a cimenterie. Où il faut engager plus de 4000 travailleurs. Et on s'en a bien noté. Mais besoin de mourir, bon pesant bon, tout ton misé, tout ton banda silulu, tout ton banda yolo yolo, banda mene mene, banda zulu zulu, banda sukinini, banda zanzambi, tout ça. Bah tu vas passer bambon, bon on a beaucoup de on a banda, c'est fini, bon continuer car on s'en a qu'à bambon ou pas bandine. Chaque dimanche, cotisation, torture! Bandibako kokate! Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisse, procure. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants. Chaque dimanche, panier boy, panier boy, panier d'action de grâce, panier de prêtres, tout! Nyonso wana nzambe a rien à voir avec toutes ces histoires-là. Nzambe zali na posa na yango te. Oyo nzambe za nango besoin zali linga moninga na yo lo lenge o milingaka. Yango za nango besoin. Yango zali ko considérer. Yango zali ko tala. Bino bozwi le commandement wana bo déclasser yango. Olo bino, il faut ko pesa ka mingi na église, tazo pesa mingi na église, bazo pesa, pesa li bonza ya bien. Touche ningi samu Yesu na muna libonza ya malamu. Yesu apambola yo. Wapi meme verse nini. O Yesu azaliko kurasone. Malge Yesu a existante. Me prenon meme l'aspect ya Bible. Po Jezi na pa existi. Mena l'aspect obo nubi nakawana. E sika nini Yesu azaliko rasone bati mambo. Bati atena ba mama. Tomi tche na pasi. Toza na pasi. Tomi tche na pasi biso moko lesusu. Peut-être que tout ce qui mon wana to dessiner qui yango na ba na ba makambo ya développement ça ça peut aller mais tout ce mon to cotiser pas to tongi temple ne ti ba temple na kini de ko nova na ko ebisa yo ba temple ba sonika futa wana ya ba mama olangi wana ba temple ya ba papa pasteur mbi
des millions de dollars contre le temple. Avec une population pauvre, avec pour capitaliser 1 million de dollars, 3 millions de dollars pour tourner le temple pour Nzambé. Même ma flèche, même un tessé, le bêta, qui est bon, l'immer Nzambé côté. Nzambé a lobby, ma belle Zali et Sikaya Tchaka, ma colonnaïe. C'est le Biblia Nabino. Cathédrale, ton temple, et Nengenini, bino, faut botonger la yé. Bino battu à Mokili. Botongi Nzambé temple. Botongi Nakuna bino pour nos besoins, moi, et au bolé l'amboula. Dieu a rien à voir avec cette histoire. Nzamba Zali n'a besoin de l'eau qu'on a besoin de salaki. Cher ami, banam pungutulendo bakimbangulogi nyos. Il faut besoin conscience. Situation à mabe. Alors, formule oyo et tchamba qui est pas colonisateur, tant que colonisation est sili, bakayi, biso to tikali ko vandi za lisusu makambu ya colonisation. To kitilize yango, to komi ko se rançonner biso moko, to komi ko sala exploitation de l'homme par l'homme. Soki to tongi bambanza za nsilu la bino, to tongi yango bambanza velela, bambanza nzambi to tongi. Biso to ko beneficier lokoni. Biso to beneficier lokoni. Yo zo otela nga opesa bambongo ebele na eglise. O sala makama minene, o beneficier nini? Les pambo li ozana ko kanisike zali pona ndengo pesa mongo ben l'église. Si c'était ça metoku fakate par rapport à babadon to pesa kana ba église. Ezali makambu ya pamba. Ezali makambu ya pamba. Ezali na tina moko te. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. La vérité finit toujours à triompher. Solo, écoutez Kalabele, solo. Et l'Ukuta, écoutez Kalabele, l'Ukuta. La vérité, bombe, moko, a pu détruire Yango et Zalité. Qui vivra verra. Ok. On a toujours kende ekoinda. Da onzambe a kotomba ka kosilika. On toujours bebe sa programme na ye makasi. Le to koti na bogumbu. Mutu pa kende église fa kanga penda sa la budget. Na passe autour na ngo. L'église na tour na ye azali ko sa la retour te. Ceux qui passer na belo moni nde ba ko za so makase salimi. Mais ceux qui frère abeli. Baza passer za ko tukuna te. Mais yonde o pesa ka mongo pa na ye. Bono ndaka pasteur e azali na na ye bisa bino pasteur ko sala te. Ke ko sala pasteur ezali musala. Fallait pas chaka na ba misala bino fonction pasteur. Pataka bata bongo. Qui passe les amusalate? Mais bon, mi bengi musali nanzambe. O moni bengi mukazo kena fier ni oso musali nanzambe. Musali nanzambe chepe. Oh, Yesu. Oh, musali nanzambe. Oh, Yahweh. Oh, non. Ça c'est une bêtise. C'est la colonisation. On est tenté de faire asseoir la colonisation. On est tenté de se faire coloniser nous-mêmes. Cet argent doit être destiné à l'action où il y a progression, il y a développement. L'église m'a dit qu'il faut passer ma tracteur, ma raboter Nzela et qu'il y a un chef spirituel là-bas. Basons mesurer, basons ma tracteur pour les raboter Nzela qui est le chef spirituel là-bas. Pourquoi ne pas faire un tracteur pour faire des champs? Pour pas ni baso fufu baso ile madeso baso lo so kolia so to so mi caractère maison église to tient en bible agricole et dimanche au une église baso ka bolabi so balo so ka bolabi so kolia on peut pas le faire. Il fallait kaka to pesa mboye ke contre la caisse lingomba bolia bomela. Cher ami, nous devons prendre conscience. To reposer mon pied tata lo balilo banaye kwa lo bakale 10 septembre kwa resima ki makamo na yenyoso misala na yenyoso bongo na kozonga to juste après. Continuer parce que qu'on a trop kata et loco moko boye yangone loco la toi et toi yako bakisa na bêtise ya bascro ou ya ma chef spirituel
C'est parti quoi, Kabi. Oh oui, viens esprit, toi qui es la vie, l'amour, le feu, la force, la douceur et la grâce, viens, Ingeta, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, partout où vous êtes, je vous annonce que je sors de mon silence. Mes frères et sœurs, l'esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Tenez bien ceci, avec mon arrestation, commencerait par une terrible d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Il faudra tenir ferme, car l'esprit de notre Dieu Tout-Puissant, Djambiampung Tulendo, ne nous abandonnera jamais. Et il n'a jamais abandonné quiconque se confie en lui, car il est la vie, l'amour, le feu, la force, la douceur et la grâce. Les autorités coloniales vont imposer à ma personne physique un très long silence. Mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie. Car elle vient de notre Dieu, le Père Tout-Puissant. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance. Mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices semées par les peuples du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser et nous envahir. Oui, j'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo et la race noire mondiale. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Car les fondements spirituels et moraux, tels que nous les connaissons, aujourd'hui, seront profondément secoués et ébranlés. Les guerres perpétueront à travers le monde. Ainsi, l'Afrique sera libre. Les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Blancs. À ce moment, un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants de l'Afrique entraîneront, sur le conseil des Blancs, leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux et certains ne reverront plus leurs parents et reverront plus leur Afrique. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs. Le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique et le pouvoir politique. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Je liquiderai l'humiliation que, depuis les temps les plus reculés, l'on a cessé d'infliger aux Noirs par l'esclavage et la colonisation. Car de toutes les races de la Terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. C'est pour cela, chers frères et sœurs, continuez à lire la Bible. À travers ses écrits, vous arriverez à décerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits aux principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Eh oui, nous aurons notre propre livre sacré, dans lequel sont écrites en mandombe des choses cachées. Un instructeur viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement.
Car sans cet enseignant, qui préparera les peuples africains? Car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Alors il faut que les peuples d'Afrique et du Congo soient instruits avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Quand les peuples Congo commenceront à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu si le jour de sa mort, même s'il avait beaucoup de biens matériels, il n'a même pas le temps d'arranger son doigt? Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie et pourquoi vous vivez. Car exister physiquement, c'est apparaître comme presque rien. Pourquoi tuer son prochain et espérer rester en vie? Et pour combien de temps? Dieu n'est pas le temps, ni l'espace. Il est un tout, dans le tout. La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée et compliquée par des enseignements et des principes moraux pervers, corrompus du monde européen. Elle ne connaîtra plus les principes maritaux de ses ancêtres, de son Nzambi Mpungu Tulendo. Elle ignorera sa langue maternelle. Alors je vous encourage à ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants. Car viendra un temps où les langues des colons seront oubliées. Dieu le Père Tout-Puissant a donné à chaque groupe humain une langue qui sert comme d'une alliance de communication. Ne la négligez ni méprisez jamais. L'Esprit veille sur moi, comme il veille également sur vous tous. Dieu demeurera toujours votre guide et votre protecteur. Servez-le jusqu'à la fin de votre vie. Que cette séparation entre vous et moi ne vous plonge pas dans le désespoir. Je vous le promets, mort ou vivant, je vous ramènerai à la liberté. Eh oui, la liberté. Injeta, 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 Injeta. Mort ou vivant, je vous sauverai à la liberté et le salut à jamais. Notre pays sera indépendant administrativement. Cependant, une liberté totale viendra plus tard lorsque nous acquérons une deuxième indépendance que nous appellerons Dibanda Diazole. Celle-là sera spirituelle. Et à ce moment-là seulement, mon nom sera respecté et ma promesse sera accomplie par la liberté à jamais. Ingeta! Ingeta! C'est maintenant que débute mon calvaire silencieux pour notre liberté et notre indépendance. Le palmier nous donne des noix, de l'huile, des rameaux, des fibres, du raffia. Et cela ne se réalise pas en un seul jour. Au départ, une seule et seule petite graine a donné le palmier. Exactement comme cette œuvre qui nous mènera à la liberté. Et naîtra un grand roi divin avec ses trois pouvoirs spirituels, scientifiques et politiques. Ingeta! 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 Masila mpungu ya lusongamo Nibeno kibe niko pangu mwamo Batemu kumatendo kwele Yuduza mbele luze yezwe Masiza mbele.
Kati mapa namena na demu kumakeno kwele. Si ma détail, mais à autre côté, ton cas entre parenthèses, la jeunesse africaine, ma cocotte en amateur, oyo izanga tiantina. La génération du Congo perdra tout, elle sera embrouillée et compliquée par des enseignements et des principes moraux pervers, corrompus du monde européen. Elle ne connaîtra plus les principes maritaux de ses ancêtres, de son Zambia Mpungu Tulendo. Ma cocotte en a distraction. Bako zana posa ko kopie kaka ba makambo. Toyoki. Donc batata ba mama, tata kimbango azali, atuka dembi nzambe pa ina biso. Po shema ou ya lakisi biso, nzela ou ya lakisi biso, soki to tchaka yango an application, mbe toza na situation toza na ngote. Moutu azali ko bunda, po ape sa cotisation li ngomba. Pour assomba carte, il y a même des gens qui disent oh, aliyangi ko kufa kasi carte lingomba me foute la kite kuna bazongi siye. Ça c'est quelle blague, ça c'est quelle blague. Via moto za ene bandele za ene suka nzambe ne ya sa ela ka via moto et puis la suka nango eko kende ko vivre na deuxième monde eko zonga su système ya réincarnation yango nzambe cha en place. Si ko carte wana carte carte za la sens nini carte créée par des hommes ba imprimer carte na bana batu. Faut foutre la taxe chaque mois la carte wana. Pour quelle finalité? Mon wana et qui est pas chef de l'église, chef spirituel, chef de légal, y a ça qu'on l'a comme elle. La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée et compliquée par des enseignements et des principes moraux pervers, corrompus du monde européen. Elle ne connaîtra plus les principes maritaux de ses ancêtres, de son Zambia Mpungu Tulendo. Tawa leo kota na lola, elo kwe bloka kie, amifute la kikarti te. E batumi ba cheya nguna mutu, e komi pendenge wana. On n'a pas un dieu matériel, cher ami. On n'a pas un dieu matérialiste. On n'a pas un dieu d'argent. On a un dieu spirituel. Toza la nzambe, oh yo bino bato kanzate ke nzambe physique, on a un dieu de connaissance. Connaître et naissance, ma sangi si verbe, wana ma bengi. Connaissance. Nzambe abimana connaissance. Nzambe abimana principe. Abimana babien matérialité. Babien matériel bimaki na sima kobota ma ya nzambe. Na sima ya busala ya nzambe. Donc nzambe n'a rien à voir avec tout ce qui est sur cette terre des hommes. Azana posa na yangote. Azana besoin na yangote. Et loko ya zali na yangwa posa zalana bolingo na ndeko na yo. Yo chef spirituel ozali ko senga ba mongo. Bato ba pesa mongo po yo tonga yo sala makambo yo lingo sala wana. C'est bien. Na ba ndeko na yo bozako yo ka.
Zaoyokanate. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu si le jour de sa mort, même s'il avait beaucoup de biens matériels, il n'a même pas le temps d'arranger son doigt? Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie et pourquoi vous vivez. Car exister physiquement, c'est apparaître comme presque rien. Pourquoi tuer son prochain et espérer rester en vie? Et pour combien de temps? Dieu n'est pas le temps, ni l'espace. Il est un tout dans le tout. Naba collaborateur na yo église, ça koyoka. Yango batiza ba mama, successeur ba église et ko banda ko poser kaka ba problème parce que ezali eloko o yesalemi na intellect na mayele ya biso ba. Mona papa so ya kufi, bana ba welele. Papa mosu ko kuma yele ina na kufi te a placer bana na yewana. Tuzo mona bango ba baruti, bangwana, ba miye wa uchoku fa bana, ba isolele bangwana. Baba dengenda bangwana batikali ko chabana na bango batata onda bangwana bache bana kazi na bango. Est-ce que na kati ya batu oyo otambolaki na bango osalaki na bango mutu oyo nzambe apesa ki eloko ya nzamba zalite yango na felisana na batu dekabe tangu sunga kufia lobi pa question o bana onini pa question o azawana papa masamba azali muta famia sunga te voilà c'est ça un homme de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas besoin de matériel. Bobé de la papa Sunga Mabou. Le fondateur de Nzila Congo. Yende. Mouta fonda ki bilo konyo zboko bimzana. On zila zagingane tout ça. C'est Tata Sunga. Bete Tata Sunga Mabou. Ça c'est quoi? Tata Sunga c'est un modèle. Tata Sunga c'est un formateur. Parce que sala na ye. Et bimisi ba frui. Ba frui a ki oyo. Lelo oyo. Ba kobi pe makelele. Tata Sunga n'avait pas besoin d'argent. Yangana ndimake a mona penda tata kimbao. Mimi mwa tata kimbao sasa kina besoin mbongo aliako vwama le même jour bakangai. Mase est-ce que ma? La vérité écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. La vérité finit toujours à triompher. Solo, écoutez Kalabele solo. Et l'ukuta, écoutez Kalabele l'ukuta. La vérité bombe moko et pour détruire yango et zalité. Kita solo et kita lambe solo. Mase et kita lambe ma. Kita solo et kita lambe solo. Tazare ko kende ki vivra vera. Okay. Una tozo kende ekoinda. Na munzambe ko tomba ko silika. Po tozo bebe sa programme na ye makasi. Ka ndele bokang sela ngambongo abe opesa ngai na baile komba o. Soki bino batu bolinga mbongo. Soki bino bolinga mbongo. Ba bisa tala mi babele na chela ngala se. Kansela ngala. La voix mal le même jour. Parce qu'il était spirituel, il a la mission, il a tenu dur, sans pourtant passer l'argent. Dans quelles conditions va kangelaye? Dans quelles conditions va tortiraye? Dans quelles conditions pour nous libérer yo? Même mon mais là qui voit la bête, bah les gens même qui va en apporter, les gens qui nous même la Belgique, même dans Dakouyaroua, pour nous attirer ma camarade d'indépendance, cher ami, ma pasteur, ma chef spirituel, au cantate jeunesse Oyo, ils allaient jeunesse à l'Oyengete. Bana oba botami depuis 1920 depuis 2001 bazali bana lo yengete c'est quand c'est que na monde spirituel boyebi o eleka nazo ngela bino tamso yebite moyi azali mobali sanza azali mwasi basa kuplaka kuba bota ba etoa ba etoile le 6 juin 2001 basa kupla. C'est le jour où les étoiles sont au monde. Il y a un autre en 1990, il y a un autre en 1980. Bah, renouveler les étoiles, c'est le même jour où le cerveau est en train de changer. Tous les étoiles sont en 2001. Les étoiles sont en 90. Les étoiles sont en 80. Les étoiles sont en 70. Les étoiles sont dans un éclat. Les étoiles sont bouleversées par les données. Bana oyo zomona ti bako kisa ba 50 ans bako bouleverser ba donné na binu wana ba chef spirituel
bako yako comprendre que mongo auto pesa na mabuna église ezali ya pamba ezali ki moyibi ezali ki moyibi Afrique Afrique amen fils de l'Afrique amen. Je suis petit et petit fils de l'Afrique amen où est ce président qui peut dire il y en a marre Oh yes. Il est où ce président? Je dis à la religion occidentale, vous ne prendrez jamais le contrôle de l'Afrique. Amen. Si on a la paix, est-ce qu'on va prier? Non. Nous prions parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans nous. Amen. C'est parce que nous souffrons. Amen. Quand quelqu'un ne souffre pas, c'est pourquoi un ministre ne prie pas. Amen. Les enfants du président ne prient pas. Amen. Il a la nourriture. Amen. Il a l'argent. Amen. Il a les voitures. Amen. IGF contre l'église, Nabisou. Faut ça la IGF des églises. Faut ça la IGF des églises. Pour trop, c'est trop. Ma chef spirituel, ma des chef qui mon amour qui wana, ma mis ça, sous baza sur combien wana, baza ba jeep, pas moins de 80 000 dollars, mon bandit. Eh bandit, baza peut combien? Eh, ma chef spirituel, là, eh, mon connu, baza la mongo, qu'on s'en a pour tout jeter, attends, ma jeep, mon auto, son auto, chaque jour de jeep, à ce moment où, mais c'est yon de son copé, ça y est, mon wana, cher ami, oh yo, peuple, la n'engue ni, oh yo, nous avons ni la salle à congolais. Tobimela ou wapi bafriquet ou comprenaka makamouté. On fait enrichir les gens à nos propres yeux. Basa qu'on voit mon ami sou na biso, na moutoki na biso. En retour, biso toze la yesu asal. Toze la yesu mokoula goya. Mais yazo golia, asa komé. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisse, procure. Transformez vos missions. Ainsi, en de gros centres commerciaux florissants. Cher ami, nous sommes des bêtes, nous sommes des gens, nous sommes des fous. Comment? Je ne comprends pas. Toi, moi, l'homme, moi, toi, moi, l'homme, moi, comme ça, un à rien à clôturer. Bouti à Robin Angay. Bouti à Robin Angay. Allô, Ben Moussa, tu es comme bon âge? Ah, bonjour. Bonjour, Ben Moussa, Robin. Papa, tu es un Tout à moi, le Romoké, Bongo, Togozon, Apona Moni, Bouzala, Bézoya, Benga, Bate, Bele, Bele. C'est parti. Merci beaucoup, ma tata ma maman. Toyoki, Toyoki Ntsai. En tout cas, vous êtes obligé de tirer au benga. Dossi sa émission, hein. Bon, mon, hein. Vous tirez au benga, dossi sa émission. N'a moni que vous chauffez, pina ma casse. Vous tirez au benga, dossi sa émission. Alors, Boyoki Ntsai, vous sepeli. Chers amis, partout, vous allez, les offrandes, c'est un système placé par les colonisateurs. Pour la colonisation. De ce qui t'ont continué, qu'on sale la mongo ya église comme offrande, y'a qu'on servir batou, cher ami, tu causes la situation pour
transformons ces offrandes-là. Cotisation pour un objectif de développement pour que les jeunes basent le chômage, Mais bon, on a battu le coin à Moutou que les offrandes et Zali et le coin aux Nzambas allez considérer aux Nzambas allez comme ça la cotation pour Zali qu'on paie son bon au mingi Zali qu'on côté bénébi à zéro bénir yo pour y'a paie son mingi c'est faux et archi faux. Bah, vieux Oyo Bazali battu à l'Okuta Bazali battu à l'Okuta Bazali ba miyibi Bazali ba emi escro. Bamba te batu oyo ba yela biso système ya offrande oyo ba chaki ya ba sala même kutu allusion teke ezali pona makambo ya nzambe. Faites leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisse, procure. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants. Ezali pona nzambe ayebi yango ba sala ki yango pona taxe au bateau moins de fouta pour na survie na bango pour vivre pour na batonga biloko na bango et biloko nyonso bozali kotonga na ba offrande wana ezali ya nzambe te tozoko pesa mbongo pona yawe ndali ko pesa mbongo pona yesu ezali pona bino moko yesu aza kuna te yesu aza na besoin na ngote yesu aza na tina na ngote akokene na ngoni nulle part il vous a dit même yesu na bino mukolo koya akozala suspendi a l'air. Ako kome na eglise te, ako kome na katedrali te. Wana Yesu ndiye pesa bino rabi la gawana. Ako kome na eglise te, ako kome na katedrali te, ako na suspendi. A quoi servent vos cathédrales? A quoi servent vos églises? A quoi servent vos temples? Honte à vous, ma chef spirituelle. Honte à vous, ma prophète. Honte à vous. Au 20e siècle, 100 ans après, la révolution déclenchée par Tata Kimbao. On ne peut pas continuer à vous croire. Vous avez battu le kouta, mais yébi. Vous avez battu yébi ma kambouana te. Et vous allez pour un sentiment d'abino. Pour la bino mon gobo l'a pu vous mettre. Vous avez voir ma. Vous avez tant sa ban abino. Vous avez bala. Vous avez tonga. Vous avez tonga bandak. Pour la mongo ya bandimi. Bango basé la bako pas mon pa yan zambi. C'est dit n'importe quoi. Voilà, batana ba mama, to uchi koyoka, pourquoi, parce que mon frère, donc mon frère, des années longues, il y a gravité, pour la culture de ne plus donner cet argent, pour la prudence, pour tchaba mon, on a bien ouana, pour pèser dans l'église, na ba makamba développement, pour na ba vie, na bino, pour vie, oyo, nzamba a rien à voir, y a kou bon kanzoto, oyo, yo, moko fo bunda, pour nzoto, zala malam. So, yo, bundi na yote, pour nzoto, zala malam, italio, nzamba zana tina koutou ya biloko na yo wana te. Il y a des surveillants à Molim. Il y a des surveillants à Molim, Mais ceux qui ont des bébés, ils ont des talents. Ils ont des moyens. Mais quand ils ont des talents, ils ont des sources de développement. Dans l'église, ils ont des talents. Ils ont des talents. Les gens n'ont pas besoin encore de venir prier 100 ans après. Ils ont des talents. Ils ont des talents. Ils ont des talents. Ils ont des talents. Alors, Tata Lobaki, gare à ceux qui vont renforcer la colonisation. Nsi ya Bupu, gare à ceux qui continuent à renforcer l'esclavagisme et la colonisation de peuples noirs. Nsi ya Bupu, gare à ceux qui continuent à renforcer l'esclavagisme et la colonisation de peuples noirs. Nsi ya Bupu, gare à ceux qui continuent à renforcer l'esclavagisme et la colonisation de peuples noirs. Boyoki, tata outi kolo bayango. Gare naba, on va renforcer colonisation. Parmi bilos, on va renforcer colonisation. Yambo. Bite y a lelo, ezali pona epe sa bino réflexion na kanti pour comprendre. Na louima gambo ebele, par rapport ya ba offrande. Na pesi explication ebele par rapport à offrande. Ngayi na suki na ngayi awa. Je sais que osepeli bokonye manalize na ina yebisa kabino ngana za ngonza te ali pasteur na binote ali chef spirituel na binote azali ki mbangolog éclairé mutu oyo tata azali ko salela tata azali ko expliquer likambo par likambo pe ngai na tour na ngai nazali ko komisa na bino yango bi na tour na bino bozwa ngai pasteur na bino bozwa ngai comme votre frère ki mbangolog bo se convertir en ki mbangologie bo ko ba ki mbangolog pe makamba azali ko loba bo ke ni ko sala yango ba de ba recherche ba développement ba analyse
Ce qui est comme ici, il y a des alliés, il y a des pasteurs, vous perdez le temps, il y a Pamba, parce que dans l'église, il y a des alliés, centre pour vos plantes, vos frères, dans l'église, il y a des alliés, il y a des alliés, il y a des ce que vous allez malade, vous avez bravo plante, vous avez fout à mon ou pas bravo plante pour salir ça. C'est ça, c'est mon offrande. Là, vous gagnez finalement, honnêtement, sans poser de sabbat. Le chef spirituel, vous devez travailler, aller même au champ, faire même des briques. Botika ko tout sabandi. Botika ko torture bandi. Cotisation matin, midi, soir. Bilaka matin, midi, soir. Bilaka na bino ki de ko soir ka nambo. Bilaka na bino ki de soir ka nambo. To boyi makambuana. En tout cas, to boyi makambuana, jeunesse besoin de conscience. Ngai wabino na suki awa na yebike makamu na lobi na chango na mabelete kote na mitu ya batu pe kubota mbuma antuka bambote na bino baso na pesa bino benediction po to kabwana li pamboli ya mpungu tule nonzambe na biso za lakati na bino mpungu tule na za lanzambe na bino mpungu tule na kanisi la alliance na salaki na bakoko na biso mpungu tule na kanisi la pasi ya bangunza mpungu tule na kanisi la pasi ya bantumwa mpungu tule na kanisi la maemansu mazali kosengama pour que nous avons mis tout pour que nous mature, pour que nous avons conscience pour que comprendre le secret spirituel, pour que nous avons mis tout pour que nous avons mis tout pour que nous avons combo ya pour que nous avons mis tout 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 pour Mande kolozo mazali ko benga ko be ngai après émission de pouvoir ngai la. Mayangye Mayangye Allez, Bessi Kimpese, Bessi Lukala, Bessi Congo Central, tu coudes la team. Bandekwa Kimpese, Lukala, Mbanzangongo, Kisanto, Kwinungongo, Congo Central Mobimba. Bomitung Santi, solution à Bino, les années toujours centrées par vos plantes.
centre pour vos plantes, azaliko sel sel peko prévenir bisou na ba maladie belé. Les nouveaux années qui PC, na quartier 1, quartier 2, quartier 3, quartier 4. Centre pour vos plantes à votre disposition. Nous allons traiter 33 maladies à base de 119 plantes médicinales. Dans le centre Bravo Plantes, nous avons le PECO et Zalikaka à base de 119 plantes médicinales. Dans le haut Italie, traitement et prévention. Dans le centre Bravo Plantes, Bakis Nyonso et Zalina dosage Nango. Sokoïna, centre Bravo Plantes, en tout cas, nous avons décidé. Nous avons Mokolo Biko, Kakana Bakis Ouyo et Salami, Nanzi. La banzete, kis nokula, kamansor, ils ont traité hémorroïdes, infection nandela masouba, estomac, naba douleur musculaire, pomade vedila, ils ont salissa, maladie à peau, mpc, kwakara, topema kwanza, pays de soussouba filaire, tozalina ouil soukula, ils ont traité sinusite, tozana poudre n'tsukumissine, ils allaient co-traité éjaculation précoce, tozana appétit, hémorroïdes, tozali soussouna tikitala, ils allaient co-prévenir. Tension, douleur articulaire, benaba glycémie, pomade nkindangolo. Ils ont traité la douleur articulaire, musculaire, fièvre et brûlure. Poudre intanini, ils allaient pour la prévention et traitement à cancer, la glycémie. Tous les sous la poudre wandianga, ils allaient pour la prévention et traitement à gastrite. Tous les sous la biocongo, ils ont traité diarrhée, gastro-intestinale, douleur musculaire. Tous ces sous la bioconda, ils ont sali ça, asthme, angine, douleur, rhumatisme, infection respiratoire, poudre intiwamene, ils ont sali ça, carie dentaire. Et Bania Kimpesi, Lukala, Mbanzangongo, Kulungongo, Congo Central Mobimba, Papa, Maman, et le connu Zotungisayo, stérilité, Kosanga Mabota, prostate, faiblesse sexuelle, sinusite, l'infection Ivner, Yakambango dans le centre par vos plantes. Centre pour vos plantes, et Zouamina Avenue Makombo numéro 1, quartier de Bis Kimpesi. Sokuniko Benga 089 53 72 549. Centre pour vos plantes, Eza ouvert Nicolo Nyonso de lundi à samedi de 8h à 14h. Ce qui ont écouté nos docteurs, Oulia et nos côtés. Tous ceux ça à base de 119 plantes médicinales. Où ils allaient analyser pour n'a traiter 33 maladies. Banakim PC, Lukala, Kulungongo, Mbanzangongo, Kisanto, Onabino, Solution et si et Monana. Centre Bravo Plante, Médecine Traditionnelle Scientifique Congo. Olingiko Monan Zutunayo et Zonga Nengizala Kikala. Yakambango dans Centre Bravo Plante pour votre traitement et prévention. Oye Imala Monabino Bonso dans Centre Bravo Plante. Ma maladie de la peau, consanga kobota, rhumatisme réglé douloureuse, dermatopé prostate, infection urinaire, caca, la Bravo Plante.